Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'un mode sympa que je voulais vous présenter sur la chaîne secondaire parce que ça pourrait intéresser certains en termes de réalisme, voilà, de donner un petit peu de réalisme à vos séries, à vos parties. Voilà, c'est un truc vraiment que je trouve plutôt stylé, même si on va pas se cacher, ça va être assez compliqué d'utiliser ces bidons parce que c'est ces bidons-là que vous voyez juste à côté de moi, chargés déjà dans le petit gâteau là, dans le petit véhicule. C'est des bidons que vous allez pouvoir transvaser directement dans votre pulvérisateur, soit du fertilisant ou de l'herbicide. C'est des bidons de 20 litres chacun, donc c'est bien 20 litres comme dans le jeu, enfin 20 litres en vrai comme 20 litres dans le jeu, donc ce qui fait qu'il va falloir un sacré paquet de bidons, paquet de bidons, pardon, pour pouvoir remplir votre pulvérisateur. Alors si vous avez des petites exploitations avec du petit matériel, en vrai ça s'intègre plutôt bien dans vos parties quoi. Si vous avez vraiment du petit matos et tout, les gars, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser ces bidons-là parce que franchement c'est plutôt sympa. Donc dans le shop, les gars, je vous mettrai le lien du mod sur mon site internet bien sûr. Alors je crois que c'est pas il me semble que c'est disponible sur console. Il me semble avoir vu, mais c'est vrai que je regarde tellement de modes que là j'en ai regardé plusieurs avant de faire la vidéo et je sais plus trop. Pourtant j'ai regardé, mais je crois que c'est ça se. Je vous mettrai au pire en commentaire si jamais c'est pas compatible console, mais il me semble que oui. Enfin, je vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que oui. Donc c'est ici dans vous, donc c'est bien, c'est pas dans la catégorie palette, mais plutôt grand sac. Et là vous avez les bidons de 20 litres, soit d'herbicide ou de fertilisant. Donc nous on va rester sur le fertilisant parce que qu'ils sont pas mélangés dans le pluvé. Donc nous, on va rester sur le fertilisant en bidon de 20 litres, on en a acheté encore 3 ou 4. Voilà, après vous achetez les classiques, hein, comme des palettes, hein, ni plus ni moins. Voilà, tac, ni plus ni moins, c'est comme ça, bim. Et ensuite, donc on est sur un map échasé aussi, je tiens à le dire, hein, voilà, on est sur un map échasé pour présenter ça. J'avais une partie qui était encore sur l'échasé, enfin voilà, une petite partie tranquillou pour vous présenter ça. Ça va très très bien comme ça. Alors, par contre, peut-être que ça tiendrait là en vrai. Peut-être que je pourrais en faire tenir un petit peu plus, voilà. Comme ceci. C'est vrai que. Ah mince. Quand j'ai vu le mode, en vrai, j'ai fait. Ouais, j'ai mis. Écoute, essaye de voir. Ouais, c'est peut-être prévu pour, en vrai. On va voir. On va tester si ça passe. J'ai dit, tiens, pourquoi pas le représenter? Parce que c'est vrai que c'est un mode qui est plutôt stylé. Et ça se prend plutôt bien, vous voyez. Ouais. Oh là, ça a tout explosé, là. Ouais. Je le sens. Non, on va laisser comme ça. On va les mettre derrière, les gars. Ce sera bien mieux. Allez. On va le mettre le long, comme ça. Hop. Ah, je vais y arriver. Bon, je suis pas très doué. Ça c'est moi. Hein. C'est pas le mode en lui-même qui est buggé. C'est que c'est moi qui sais pas me servir de l'outil main. C'est moi qui suis pas très doué. Mais regardez ça. Bon, j'ai laissé volontairement la main. J'ai pas coupé la TH. Question de bien pouvoir le prendre comme il faut. Hop, là on met comme ça. Bim. Et en vrai, c'est plutôt stylé. Hein. En vrai, moi je trouve ça hyper stylé comme mode. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce mode-là. Mais bon, voilà, il faut pas être. Alors, ce qui est dommage, c'est que. Parce qu'en vrai, bon, c'est pas des bidons de fertilisant tout prêts. C'est du produit qu'il faut diluer, bien évidemment. Que ce soit fertilisant ou herbicide ou les produits de traitement en général. C'est dommage qu'on puisse pas le diluer. Enfin, je pense pas, il me semble pas hein, que ce soit dilué ou quoi que ce soit. Il me semble que c'est directement mettre comme ça dans le pulvé. On va tester. De toute façon, il y a un pulvé qui nous attend, du coup, à la ferme. Alors, attendez, voilà. Bon, j'arrive à fermer ça. Si on sangle, ça a l'air d'être bon. Ça a pas l'air de bouger. Regardez. Non, nickel, impeccable. Impeccable. Allez, du coup, on est reparti. Donc ça, c'est le petit machin qu'on avait, bien sûr, au tout début du 19, hein, rappelez-vous. Je trouvais que ça pouvait être sympa de les mettre là-dessus, parce que comme ça évite de... Ça évite de... Bah, c'est le mieux, je pense. Après, vous dans un pick-up ou quoi, ou faut directement aller au concess pour aller charger, quoi, avec le culvé, sinon, mais... En vrai, je trouve que c'est le meilleur truc pour les transporter, en vrai, je trouve que c'est bien. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, bien évidemment. Allez, bah du coup, on va rester derrière. Il y a un tas de voitures là, les gars. Il y a de la circulation. Donc la vidéo va peut-être pas durer 3 heures, dans le sens où il n'y a pas non plus énormément de choses à présenter. Là, ça se présente assez bien. C'est juste ça, voilà. Rien d'exceptionnel non plus. Alors, du coup, le pulvé, il m'attend ici. J'ai mis un beau pulvé Amazon avec un petit case Maxum pour faire plaisir un petit peu aux fans de case, les gars. Alors par contre, je peux me coller à côté parce que j'ai pas envie que ça me prenne les bidons. J'ai pas forcément testé avant, hein, pour être franc avec vous. Hop, on va tac, couper le moteur et descendre. Oh là là, oh là là. Ah oui, c'est comme ça, Jérémy, tu te trompes. Alors attends, on va voir si je fais. Non. Ah, alors je peux, avec le joystick, je peux
fermer la trappe mais pas l'ouvrir. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, le pulvée est ici. Voilà, donc j'ai mis dans la zone. Je pense que ici. Alors, il me semble qu'avant, les gars, ici, c'était la zone pour les pulvées. Hein. Là, on a quoi? On a des sacs de semences. Mosaïque, ça a l'air d'être de la semence. Gaucho, c'est de la. Le gaucho, c'est de la chaux, ça, non, il me semble. Je dis pas de bêtises. Donc, voilà. Donc, on va dire que c'est ici. Hop, donc on prend notre petit bidon. Et normalement. Ah ouais. Mince! What? J'ai fait le con. Ah ouais, mais alors attendez voir. Est-ce qu'il rappelle une erreur? Jeter l'objet. Maintenant, je peux le. Non. Alors, est-ce qu'il faudrait pas. Oh. Voilà. Est-ce que si je le laisse. On va le laisser là. Voilà. Est-ce que si je me mets dedans. Ouais, voilà. En fait, il faut remplir depuis l'intérieur. Mais c'est bien. Ouais, en vrai, ce qui est stylé, c'est que du coup. Ah, si on peut, on peut ouvrir quand même là sur ce. Ah ouais. C'est stylé. En vrai, les gars, vous avez juste à faire. Attends, voir. Bon, après, il faut juste faire la touche R en fait. Hein, voilà. Attends, on va le sortir. Alors, ce qui est bien avec ce pulvé là, c'est qu'on peut ouvrir les. Je l'ai jamais vraiment utilisé ce pulvé pour être honnête avec vous. Je l'ai pas vraiment utilisé dans le jeu. Il était sorti. Il est sur le mode up, je crois, ce pulvé. J'essaie de vous rajouter au pire aussi. Comme ça, on verra ça. Et du coup, en fait, ouais, vous prenez votre bidon. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas, par exemple, à le verser, qu'on le retourne. Et hop, ça. Voilà. Et en fait, vous le laissez devant. Ouais, alors sans le faire tomber. J'ai rien mis. Ah, voilà, sans le faire tomber. Et après, en fait, vous faites la touche R. Et ça remplit, en fait. Mais alors, vous voyez que. Comment vous dire sur un pulvée comme ça, vous êtes pour, vous en avez pour 3 ans. Et c'est dommage qu'on peut pas le diluer avec de l'eau, par exemple. Ça aurait été plus, encore plus réaliste et vraiment ultra, ultra, ultra réaliste. Qu'on puisse se diluer, parce que là au final le fertilisant c'est bien, mais il faut le diluer le produit, parce que sinon les gars ça coûterait un bras dans la réalité si on mettait. Et puis là je peux vous dire que la dose serait chargée, hein. Là on serait pas mal. Donc voilà, bah, c'était juste pour présenter ce petit mode, question que vous ayez pourquoi pas des petites. Voilà, pour ceux qui aiment bien les parties ultra réalistes dans les petites fermes, moi je vous conseille ces bidons, franchement, pourquoi pas sur la saison 2 de Farming Interactif, essayer de les intégrer. Essayez d'utiliser ça. Après, en vrai, on pourrait essayer. Hein, pourquoi pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Même si je pense que ça va être long. Mais pourquoi pas utiliser, hein, j'ai envie de vous dire. C'est réaliste après tout. Donc c'est stylé. Voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas à lâcher un gros pouce bleu à cette vidéo. Merci. On est bientôt 7000, les gars, sur la chaîne secondaire. Merci à vous. Tous les mods vous plaisent beaucoup. Donc ça fait plaisir. Toutes ces présentations de mods, de maps, ça vous plaît beaucoup. La map de, la présentation de la map des Chazés. Bon, j'en attendais pas moi, mais a dépassé les 10 000 vues. Donc merci à vous. Ça fait chaud au cœur. Les vidéos font autant de vues que la chaîne principale. Donc c'est un truc de taré. Bon, je sais qu'il y a mon public de la chaîne principale qui vient aussi sur la chaîne secondaire et qui sont pas forcément abonnés. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, c'est important aussi. Voilà, si vous aimez les contenus, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner en masse. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.